Salut, salut! Voici une nouvelle vidéo découverte d'un jeu de l'ancien temps, un jeu indépendant, Ori Definitive Edition, The Blindest Forest. Ori, emporte-moi avec toi. Fais-moi rêver. C'est beau. On m'a dit que c'était beau, assez magique, onirique. Ça t'emporte assez facilement ce jeu. J'avais envie de le faire parce que j'avais déjà fait Gris, Rime et. Il me manque un troisième. Ah, mais on joue lui, d'accord. Oula. Ni d'hirondelle. Moi j'aime bien les jeux poétiques comme ça, mais il est magnifique en vrai. Là j'ai joué sur Série X, je suppose qu'il y a des effets rajoutés peut-être avec le ray tracing. Même pas, je ne sais pas. Ah si, c'est magnifique. Waouh. J'espère que c'est pas avec lui qu'on fait le gameplay parce qu'il saute vraiment pas haut. Unaru prit ma lumière en son sein. Vraiment, c'est une belle histoire, une belle, je pense, une histoire d'amitié. Ah, je peux jouer, c'est ça? Allez, j'ai bougé le joystick, comment ça bougeait? Peut-être elle sera plus souple, bon, je dis elle. J'ai envie que ce soit une fille, peut-être, une femme. Allez, on y va, c'est parti. Waouh. Hello. Oh, bah. Oh, magnifique. Il fait une croix dessus à chaque fois qu'il mange un fruit. Oh, le gameplay de fou. S'il faut jouer avec lui, ça va pas aller loin. Wow. Ah. D'accord, excellent. Ils sont en train de se gaver d'orange. Enfin, de fruits. Déplacer. Il fallait apporter des fruits à la maison, c'est ça? Ah, ça va mal se passer, c'est ça? Ça va pas bien se passer. Je sens que ça va pas être cool, hein. Ok. What? Oh. C'est beau. En vrai, c'est beau. Ah, il l'a sauvé. Il y a eu un orage ou une tempête. Vous voulez peut-être pas le laisser dehors. Moi, je comprends pas. Je découvre le jeu, je connais pas l'histoire. Je suppose qu'on en apprend petit à petit. Lui, il veut sortir, c'est ça? Ah non, il y a un fruit.
Avec les mots qui s'égrenaient. L'ombre aveugle de la forêt. La musique commence à arriver là. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Ah. T'as des souvenirs avec lui, c'est ça? Il fait tout le chemin pour essayer d'aller le chercher. Tout le pont, les cabanes qu'ils ont construit en fait. C'est le tout début. Ah ok. Ah, c'est magnifique. Et oh! Ah bah oui, il est là, oui. Il a pas bougé, lui. Ouais, il dort. Laisse-le dormir. What? C'était son meilleur ami, il a disparu comme ça. Le pauvre. Quand t'as des histoires tristes comme ça là. Ouais, avec la tristesse d'avoir perdu son meilleur ami, sa seule famille. Un jeu comme ça commence bien, hein, dis donc. Par contre, c'est magnifique. On fait avancer, mais c'est péniblement en fait. Avec les touches, on voit que chaque effort lui coûte beaucoup parce que il a beaucoup de peine et. Il rampe quoi. Il va chercher à sauver, récupérer l'âme de son meilleur ami peut-être. Que lui aussi va perdre son âme.
Wow. Ma lumière raviva Ori. Oula. Le périple commence! Ah oui, bah là, il a retrouvé... espèce de chou là qu'on peut... Pareil, on peut réguler le saut aussi, ok. Ah, ok. C'est des choux qu'on a en vie en fait. C'est des espèces de plantes. Que ça aussi, ça tue. Le jeu est magnifique, les effets de lumière, quoi. Et ouais, non, il y avait quelque chose de caché là. Commence à louper les items. Tu as trouvé un petit brasier de lumière spirituelle. Tant de secrets, d'accord. Ok, super. Ah, tu as découvert ton premier secret. Ta jauge est remplie de lumière spirituelle. Trouve-en d'autres pour obtenir les points de compétence plus rapidement. Ça, il est magnifique ce jeu. Oh ah ouais, je le voyais en vidéo et j'y pensais pas autant que ça. C'est quoi là-haut là? On peut le choper après? Il y a des doubles sauts, il y a des... Parce que ça va être un jeu de fou encore. Il y aura plein de choses. Ah, j'ai récupéré de la vie. Comment ça s'appelle? J'ai pas lu ce que c'était. Ah merde. Tu as trouvé une cellule d'énergie. Tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. What? Oula. 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 Tu as trouvé la lumière spirituelle. Oui, après je peux avoir des points de compétence. D'accord, il y a un arbre de compétences. Ouais, je suis en découverte totale. Cœur de la forêt, Ori trouva ce qui avait été perdu. La petite lumière de son espoir. Je suis Sane, la lumière et les yeux de l'arbre aux esprits. Lorsqu'elle a relâché son emprise, je me suis retrouvé ici, égaré dans ce vallon. Je peux te guider tout au long de ton périple si tu le veux bien. Et tu entends cela? Ils ont dû te suivre jusqu'ici. Mais qui? Ah oui. Ah, ok. Comme ça que je vais pouvoir attaquer? C'est les singes qui... Ah ça c'est mon point de compétence. Crée un lien d'âme et appuie sur B près du lien pour... Voilà les compétences. Leurs lumières me reviendront. Cela, l'arbre aux esprits l'avait annoncé. Dans la clairière au-delà des grottes, nous le trouverons s'il y a un chemin par ici. Clairière engloutit 16%. D'accord. Il faut que j'aille chercher. D'accord, ok. Alors, expérience. Cette barre représente la quantité de lumière spirituelle récupérée par Ori, absorbe en 34 de plus pour obtenir un autre point de compétence. Le monde spirituel, la plupart des objets à récupérer flotte vers Ori. Permet de réutiliser les liens d'âme et réduit le temps de recharge. Permet de lancer 3 flammes avant de devoir recharger. Rassemblement, efficacité de la flamme, sprint aérien. Sprinter en l'air.
Nidame Ultra. Oh putain, efficacité vitale, balise d'orientation. La plupart des bonus s'affichent sur la carte. Cool, comment ils ont fait ça? Et le dernier, c'est fission de flamme ultra, augmente encore davantage les dégâts de flamme. Nécessite, ok. Balise d'énergie, laissez d'énergie s'afficher sur la carte. Ah oui, capable de déceler des zones cachées à travers les murs. Y a pas un double saut quelque part? Et c'était spirituel. Ah, on découvre hein, tout en même temps respirer sous l'eau pure. Ah, il y a de l'eau pure et de l'eau croupie, putain. Triple saut! Sprint aérien. On va étudier celui-là. Allez. Permet de réutiliser les liens d'âme et réduit le temps de recharge. L'embarras du choix. Nouveau succès déverrouillé. Mais. Je suis bête, hein. Ah, mais ça aussi, c'est. Ah oui! D'accord, si je peux le détruire. Mais attends, ça normalement ça me tue pas ça. Voilà. What? Comment ça m'a tapé? Ok. Les effets de lumière, c'est un truc de ouf. Hein. Après, on pourra faire du wall jump aussi. Ah. Parce que ça m'a libéré quelque part là, non? Un puits. Le puits aux esprits sont d'anciennes structures utilisées jadis pour traverser rapidement tout Nibble. La lumière des puits aux esprits te révigore également lorsque de la fatigue te gagne. Appuie sur X pour sauvegarder. Y pour te téléporter, mais j'ai qu'un seul puits, alors je suis pas sûr que je puisse me téléporter. Il n'y a pas un secret là? Non. What? Comment ça attaque? Je veux déjà avoir un deuxième point de compétence. Hein. Ça peut me faire avancer autre part, il me semble. Oh, les points de compétence que j'ai débloqués là. Oh là, il oh, va falloir que je sois bien attentif parce que pour les éviter, ça fait mal. Hein. RT. Oh, cool. Ok, on est encore un peu dans le. Je dois trouver une pierre clé. Les pierres clés permettent d'ouvrir des portes à des esprits. Chaque portail nécessite un nombre de pierres clés précis. Ok, intéressant. RT, je pousse jusqu'aux épines, je saute par-dessus. Il est magnifique le jeu. Ok. Ah. Pour protéger le déclin, d'accord. Les pierres clés dont nous avons besoin ne doivent pas être loin. Pour atteindre l'arbre aux esprits, il nous faut d'abord traverser les grottes mystiques. Ah, j'ai une clé. Il m'en faut une autre. Ok. Il m'en faut deux. Grave beau, il est magnifique. Hein. Je peux pas l'attaquer si je suis bloqué par une paroi. Ok, ça c'est bien ça. Donc les ennemis reviennent. Ça c'est. Tu as trouvé un fragment d'énergie, ça régénère la puissance des cellules d'énergie dorée. Ok. Ah bah c'était la deuxième.
Ah si. J'ai cru que c'était pas suffisant. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est fait. Elle a dit grotte mystique du coup. Des charges qu'il aurait pu mettre. Je regarde pas. Non, il faut que je débloque un pot de compétences, c'est ça. Ah, encore un fragment d'énergie, ça c'est cool. Mais j'ai plus de pierre énergie, faut que j'aille en rechercher après. Oh, il est magnifique ce jeu, je crois qu'on peut y passer des heures si j'ai bien compris. Ok, pour l'instant aussi je suis mort une fois déjà, je sais plus. Peut-être bien. Hein. Je suis parti sur une branche pas trop offensive là. Pour l'instant j'en ai peut-être pas trop besoin. Après pour les boss ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est ces effets de lumière, regardez ça quoi. Non mais ces effets de lumière c'est magnifique quoi. Moi je suis plongé dans le jeu. J'ai envie de jouer pendant des heures et des heures. Peut-être pas le temps de pouvoir jouer des heures et des heures. Un petit point de sauvegarde là par un autre puits. Oula, j'ai pris cher. J'ai pris tarif. Petit caillou. Ouais, je suis aux grottes mystiques là, voir si j'ai un point pour sauvegarder. What? Ah, voilà, parti sauvegarder. Appuyez B pour les compétences. Ah si, je peux en débloquer notre rassemblement, la création d'un lien d'âme rétablit une cellule de vitalité. Ok, cool. Je suis en plein kiff là. Allez, on continue l'expérience. Ah, j'avais poussé rocher B compétence, oui, ok. Mais parti sauvegarder, ça je l'ai fait tout à l'heure. Oh ah, je suis mort. Ah oui, j'ai plus qu'un PV. Que ça je peux le détruire à ce qui va passer là. Non. Voilà, ça c'est fait. Ah, encore une petite graine de compétence, ok. Passer au-dessus là peut-être, on va essayer. Si on faut atteindre les grottes mystérieuses, c'est ça. Ah ben là j'y suis pas allé en plus hein. Je sais plus comment je fais là. La musique est grave stylée aussi, ça met bien dans cette ambiance un peu onirique. Un lien d'amitié et appuie sur B. Ah oui, il faut que j'appuie sur B là. Réduit de moitié le coût de la flamme attisée. Je l'ai pas utilisé, c'est encore comment l'utilise d'ailleurs. Après j'ai le respiration aquatique et j'ai le triple saut. C'est cette double saut. Ah mais d'où ce... Ah c'est peut-être pas le bon... Alors... On va chercher tous ensemble le double saut. Ça se trouvait pas du tout dans le truc que j'ai pris. Augmente la puissance, les bonus affichés sur la carte, par des objets flottent vers Ori. Permet de lancer 3 flammes. Et après recharger, accroît le rayon. Bonus de vitalité récupéré. Efficacité énergétique, réduit de moitié inflammatisé, permet aussi d'utiliser sprinter en l'air. Ah, ça peut être pas mal.
Ouais, j'ai pas mon point de compétence là. Flamme attisée et rassemblement. Ah, ça va nous obliger à... C'est où rassemblement ça? Je l'ai rassemblement. Flamme attisée, j'ai braise. Cherchez pendant 3 quarts d'heure. Faudra efficacité du lien d'âme et double saut pour le triple saut. Là, il me faut flammatiser. J'ai salve de flamme. C'est de flammatiser. C'est où flammatiser, sérieux? Éclat de la flammatiser. Flamme étincelante. Ça va être chiant. Brûleur de flammatiser. Et il faut flammatiser, c'est ça les flammatiser? C'est chelou, hein, moi je comprends pas. Hein. J'ai pas, je peux pas ouvrir la porte. Continue, c'est vraiment de l'exploration, de la découverte. Hein. J'ai tué, j'ai que 3 choux. Je sais pas si je peux appeler ça des choux. Oh, je me suis fait toucher. Là, je suis pas allé encore. Or. Le lien d'âme est prêt. Ah oui, c'est bon. C'est même s'il est mort en l'air. Tu as trouvé une cellule de vitalité qui accroît tes réserves. Oh du coup, ah, et là il me faudra un double saut. Je n'ai pas de double saut encore, mais... Ok, il va falloir que je trouve, que je fouille. En fait, je vais devoir faire plusieurs zones pour trouver une zone, c'est ça. Porte mystique, j'étais bloqué. Terrier de la noire racine. Là tout à gauche j'étais bloqué, je suis revenu mais je suis pas descendu en bas. J'étais peut-être été trop loin. Peut-être que je revienne sur mes pas. 41% des clairières englouties. Il faudrait que j'aille en bas et encore après en bas. Ok, on va faire ça. Je vais essayer d'aller en bas, vers la gauche. Que ça, on pourra augmenter la portée après, ça peut être intéressant. Et les monstres réapparaissent, ça veut dire que je peux me faire de... J'y suis pas allé là-bas, faut que j'y aille. En fait, faut que je fouille, que je découvre la moindre chose. Ah, oh, c'est un nouveau puits. Ah non, Ori, ceci est une pierre carte, l'une des nombreuses bornes utilisées jadis comme point de repère dans la forêt de Nibble, qui ne cessait de s'étendre. Il en manque un morceau. Si nous parvenons à trouver un fragment de pierre carte, nous pourrons peut-être la reconstituer. Ok, mais je n'ai pas de morceau de pierre carte. Ah, oh, j'ai trouvé une clé. Oh, c'est quoi ça? C'est un morceau de pierre carte, c'est sûr. Ah, peut-être qu'après ça a des... Ça ressemble à des constellations. Là, j'étais en bas, je crois que je peux encore descendre, c'est ça? Ouais, ça va être là. Voilà, ça c'est fait. Ah, je suis descendu, je peux pas remonter là. La dame est prêt. What? Ça rigole pas.
Elle pourra pas me toucher. Non! Quand ça va être vraiment dur à prendre en main là, on va pas rigoler. J'espère que vous entendez pas trop la manette, j'ai changé mon micro pour avoir un son différent, donc la voix un peu plus claire, mais le son plus étouffé des sons... des sons ambiants, qui sont un peu plus... supprimés, camouflés. Que c'est quelqu'un d'autre ou c'est nous là qu'on voit? Lorsqu'il y a tant d'années, il a demandé à ce que nous te retrouvions. Nous avons été attaqués, blessés, décimés par notre ennemi. Il ne reste d'eux que ces arbres ancestraux. Approche et absorbe la lumière de fil, esprit qui gît à l'intérieur. Je sens qu'on va avoir... Ah, fallait vraiment se mettre pile au pied de la souche, quoi. Tu maîtrises le saut de mur. Ah, le wall jump. Pour utiliser cette compétence, tu utilises joystick gauche en direction du mur et appuie plusieurs fois sur A pour bondir vers le haut. Ah non, c'est pas un wall jump. Tu as trouvé une cellule d'énergie. Tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Et tu uses cela pour sauvegarder. Ok. Donc là, je peux grimper. Hein? Ouais, ça, il a sauté. Oh, ça va être cool ça. Oh, mais tout réapparaît hein. Par contre c'est un truc de dingue hein. Ah yes, par contre on peut vraiment après. Oh oui. Et merde. Voilà, parfait. Faut que je fasse le lien d'âme et que je sauvegarde. Est-ce que si j'étais bloqué... Voilà, c'est trop, mais il y a le double jump aussi à avoir. Oui, je vais pouvoir passer là-bas du coup. C'est sûr même. Ah, mais saute dessus sur la couenne. C'est très très moche. Voilà. Là, je peux re-sauvegarder. J'ai pas de point de compétence à mettre. Par contre, ça permet de lancer 3 flammes devant. Je sais pas comment je le récupère. Ah oui, ça passe. Il est vraiment magnifique ce jeu. Donc oubliez pas, moi, deuxième semaine de février, je ne ferai pas de live, je ne serai pas là. Désolé, vous aurez que les vidéos YouTube que je mettrai à jour. Mais si, je l'ai vu, vous inquiétez pas. Hop là, ça donnait des gros points de compétence du coup. Fragment de pierre carte. J'ai zappé mais j'ai réussi à lire. C'est un fragment de pierre carte. Donc faut que j'y retourne. Hein. Yep là. C'est tellement doux comme jeu, je sais pas comment expliquer ça. C'est un très 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 bon platformer, hein. Y a pas de doute. Hein.
Le jeu est doux dans sa façon d'être et de proposer les mouvements. La pierre carte, oui, elle était là-bas, elle est pas là. C'est là où j'ai le wall jump, on va dire. Aïe, elle fait mal, hein. Hop là. Hop, c'est parti. Tourne à la pierre carte, du coup, qui doit être en bas, là, cachée. Elle arrive toujours à mettre deux coups, quand même. Je sais pas comment on utilise les flammes. Succès déverrouillé, petit poussé. Tu as replacé ta première pierre carte. On voit les zones qu'on a vues ou pas. Quête hebdomadaire finalisée, Game Pass. Oui, je découvre Ori en 2021, mais c'est normal. Alors là, les zones en bleu, violet, c'est de l'eau, mais polluée, je pense. Et je peux pas encore nager dans l'eau pure. Là, tout à droite, c'est là où je suis arrivé. Je monte. Ok, il faut que je remonte. On va essayer de trouver l'arbre aux esprits au moins pour la première fois et puis après on verra ce qu'on fera par la suite. Mais j'ai envie aussi de vous faire une petite vidéo découverte médium, comme ça je lance plusieurs let's play. Celui qui me plaît le plus, je le ferai. Mais médium, j'ai vu quelques... j'ai regardé comme ça quelques heures. C'est hyper intéressant. Après je me suis pas trop spoilé l'histoire, j'espère. Yandam est prêt. Bon, ça on va pouvoir ouvrir la porte. Est-ce qu'il faut toujours que deux clés pour ouvrir la porte ou c'est juste le début et après il en faudra 3, 4? Partie sauvegardée. Ah, encore une clé. Ah, j'ai voulu aller trop vite. Oh, une deuxième clé. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un secret là? Il en faut 4. Effectivement, j'ai la réponse à la question que je me posais. Ces portails d'énergie ont été scellés par les esprits du passé. Si nous les récupérons assez de cellules d'énergie, nous pourrons les traverser. Effectivement, j'ai ma réponse après avoir posé la question 5 secondes avant, quoi. Ok. Donc ça, on peut vraiment pas les attaquer, elle. Hein. Il faut un peu de coordination, mais... oh! Hop là! Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on entend la manette un peu? Ouais, un peu. Peut-être moins que avec l'autre micro, peut-être quand même. Ok. Ça gère ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à aller choper là-haut? Celui-là, je peux l'ouvrir. Il y avait l'autre à ouvrir, le portail d'énergie, mais je l'ai pas ouvert. J'espère que ça va pas me bloquer. Je pense pas que c'est un jeu où après. Trouver inerte, immobile et accablé. Ouh. D'affaire avec du bon son, avec un bon casque. Nous fûmes à Ori le récit de sa volonté dévoyée. Là on a un puits. On va pouvoir nous faire le récit. Succès déverrouillé et l'ancien. Eh bien on en déverrouille des succès. Je sais pas ce qu'il va y avoir une tonne de succès à déverrouiller. Ori, l'arbre aux esprits. Il a dû puiser dans le peu d'énergie qui lui restait pour te sauver. Approche, écoute notre histoire. C'était le soir de la cérémonie des lumières. Comme elle arborait notre éclat. J'espère que vous entendez la musique, c'est assez fort.
J'appelais en vain mon enfant pour que revienne Ori. Parce que Ori, c'est un enfant de la forêt en fait. C'est un des enfants de l'ancien. C'est possible, hein. Oula. Salut, c'est le boss final, le méchant. C'est possible aussi. C'est lui qui aurait mangé toutes les graines. Ah non, il a tué l'arbre carrément. Toute l'énergie de l'arbre, il a été le choper. Mais on le voit pas au début avec son meilleur ami là. Oh, s'était emparé de Sein, scellant notre destin ainsi. What? Tu as reçu la lumière de l'arbre aux esprits. Notre sort est entre tes mains. Écoute-moi attentivement, c'est de la plus haute importance. L'arbre aux esprits alimentait les trois éléments de la lumière qui à leur tour maintenaient l'équilibre de Nibel et protégeait la forêt. D'accord, l'élément des eaux à la cime de l'arbre de Ginzo. L'élément des vents dans les profondeurs des ruines éplorées. Et l'élément de la chaleur sous la fournaise du mont Oru. Pour que Nibel retrouve toute sa splendeur, nous devons raviver leur lumière avant qu'il ne soit trop tard. La première se trouve par-delà les criques arachnides, à la cime de l'arbre d'où jaillissaient autrefois les eaux. Marée mâle épine 1%. Trouve l'arbre aux esprits. Trouve l'arbre de Ginzo. Attendez, j'ai fait que 4% du truc là. Et après, j'ai fait quoi? J'ai dû faire 3 quarts d'heure de jeu dessus. J'ai fait que 4%. Attention, Ori, le sol est instable. Ça veut dire qu'après il me reste tous les marais à faire là, les nouveaux trucs. C'est du poison ça, non? Mais je pourrais jamais y accéder. Et la carte... Ah, ça m'en ferait tomber là. Autant que je me prenne le sol. Voilà, c'est fait. Putain, ça revient assez vite les ennemis. Si je m'effondre. Non? Ah oui, t'es déjà revenu toi. Ah, c'est pour ça qu'il revient. Oh, bah ça me fait un nouveau passage, non? Voilà, j'ai un point de compétence en plus à débloquer. De toute façon, je suis qu'au début du jeu, alors j'ai tout à découvrir. Ah non, l'esprit mort ici était fort et courageux, écoute sa voix. Il était capable de concentrer notre lumière. Ah mais je peux avoir un nouveau don. Tu maîtrises la compétence... Ah, la fameuse flammatisée. Vous utilisez appuyez longuement sur X pour la charger puis relâche. Pour déclencher l'explosion qui touchera tout ce qui se trouve à proximité. Oh, j'ai ma petite idée là. Le mur là qu'on a vu plein d'énergie. Je suis sûr qu'on peut le dégommer. C'est quoi ça? Faut charger. Ok. Donc après, à chaque fois, on peut découvrir un certain nombre de... Tu as trouvé un grand brasier de lumière spirituelle. Ta jauge de compétence est remplie de lumière spirituelle.
Là, je pourrais pas monter parce que j'ai pas assez de mana, on va dire. Même si c'est pas de la mana, c'est de la puissance de lumière. Là, j'en ai regagné, je peux aller détruire le mur si je veux, mais là, il y a un levier. Pas besoin du double saut là. Attendez, je peux aller détruire le truc pour aller choper ce que j'ai à choper. Et après, j'aurai à utiliser là où j'ai déclenché le levier. Bah, c'est juste un raccourci. Mais oui, c'est le raccourci de. Aïe! Donc là, dans cette zone, tout en bas, là, ah, j'ai pas fait en haut là. Oh là, raté. Ouais, je vais découvrir un peu les zones, vous montrer les zones un peu ce que ça donne. Et après, je pense que je couperai là cette découverte, ce sera déjà pas mal. J'aurais fait un bon timing découverte. Ah non, je peux pas monter, faudra vraiment le double saut. Ok. Et ben là je peux pas monter, il y a peut-être là-bas que je peux monter à la limite. On va aller voir ça. Allez, ça c'est fait. Là je pouvais pas monter. Là non plus. Ah, ça va être chaud pour y accéder. Est-ce que je peux y accéder ou pas du tout? Non, je pense pas. Non, 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 du tout. Ah, mais en fait, ça va être des zones où je suis bloqué, je vais pouvoir revenir et. Ah oui, ça va être mortel. Bon, on a eu la flamme attisée. On va se débloquer une nouvelle compétence. On va faire la branche principale que je voulais faire pour débloquer mon triple saut. Elle meurt. Ah, elle est partie à une vitesse. Allez, grimpe, grimpe, grimpe. On y est. Hop là, hop là, hop là, hop là. Il est vraiment fluide. Il est vraiment. Le jeu est magnifique. Hop là, on va aller au levier là que j'avais débloqué. Voilà. Je suis pas rattrapé au mur. Pas alors? Comme qui dirait, oups, j'ai glissé, chef. Ah oui. Hop là, faut que je remonte. Non! Ah la cata. Ah la perte de temps. Bah voilà, hein, j'espère que ça vous a plu. Ah, je vais. C'est le moment où je vous dis que vous pouvez. Vous abonner et partager sur YouTube et sur Twitch. Vous pouvez venir en live aussi, voir ce que ça donne, ce que je fais en live, comment ça se déroule, comment du coup je coupe mes scènes et du coup vous loupez quelques petits trucs à. Peut-être pas important, mais j'aime bien des fois faire des découvertes. Ah oui, donc il fait des petites boules qu'il faudrait éclater. Je fais de l'exploration assez souvent, je fais des petits plus où j'explore et que. Je donne un peu plus mon avis ou je partage plus et après souvent quand il y a des lives plus animés c'est encore plus intéressant et enrichissant. J'ai perdu toute ma vie sur ce move. C'est génial. Et là je sais pas où je vais. Ah. Ah bah c'est la grotte des arachnides, hein. On y est. Bon, on va se laisser là pour l'instant. On va pas aller choper l'araignée tout de suite, hein. Dans sa toile. Ah si, là il y en a une. Ah, c'est comme ça qu'on peut voir le portail des énergies.
Bah voilà, on va se laisser là. Je vous remercie encore pour tous ceux qui sont là, qui partagent, qui commentent et qui sont là en live et en VOD aussi. Surtout sur YouTube où je fais ça depuis plus longtemps. Après, sur Twitch, faut avoir aussi plus de temps que ce que je n'ai maintenant. Parce que ça fait même pas un an que je fais ça. Ça fait 8 mois que je fais des lives, on va dire. Vraiment 6 mois que je les fais bien rythmés. Au début, je cherchais, je testais, j'essayais. J'ai encore quelques petits ajustements à faire, mais je suis bien content. Donc, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur Ori ou Super Mario Galaxy. Ciao, ciao! Et n'oubliez pas, c'est les vacances, deuxième semaine de février.